La peinture, la différence ici avec la peinture originale européenne, c'est que il y a la présence de certains éléments qui sont typiquement africains. Aha. Par exemple, les pirogues et ce qu'ils exposent au marché, les femmes et les hommes. Aussi la présence de gibier et de lances. Oui. Lance. Oui. Ça, c'est purement africain. Je pense que la peinture africaine ne tire pas ses origines des Européens. Non, origine, ce n'est pas européen. C'est africain, mais avec la rencontre de la culture. Cela a fait que, petit à petit, les Européens sont allés chez l'Africain et l'Africain est allé aussi chez l'Européen avec la technique, par exemple, des couteaux, des pinceaux. Et les couleurs modernes. Mm-hmm. Tandis que l'Européen est allé chez l'Africain, appuisant, c'est-à-dire prendre, ils ont pris dans leur culture aussi, le primitif, l'art purement naïf. C'est ce qui a permis, par exemple, un très grand monsieur, que je cite le nom ici avec politesse, monsieur Picasso Pablo. Il a puisé dans l'art africain quelque chose pour construire un style. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui cubisme. Alors si on voit, c'est ce qu'on appelle cubisme, mais la réalité est venue d'Afrique. C'est ça, oui.
D'ailleurs, cette nuit, la nuit aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi, pas bien. Pourquoi ? J'étais en train de réfléchir où je peux trouver le matériel pour l'aquarelle, parce que je veux faire des aquarelles maintenant. Je n'ai pas dormi, mais je suis en train de réfléchir. L'artiste travaille partout. Partout où je me trouve, j'ai toujours quelque chose qui me choque. C'est quoi ça? Je me pose toujours beaucoup de questions sur ce que je vois par rapport aux hommes. Je regarde plus l'environnement. C'est comme l'autre jour, les enfants ici, ils m'ont posé la question. Pourquoi tu ne fais pas de tableaux où l'on trouve les mangues qui tombent et les chiens, les dogs? J'ai dit non. If the dog go dans l'arbre, ça c'est bien. Mais quand les fruits, les mangues tombent, c'est normal. Je m'intéresse aux choses qui sont anormales, des choses contraires. Parce que c'est ça la curiosité. C'est ça que les yeux veulent voir, mais ne voient pas.
Alors l'artiste est s'interpose, c'est-à-dire l'artiste est entre la nature, entre deux choses, la nature et la société. Moi je suis ici. Parce que c'est moi qui ai la charge, la responsabilité de voir ces choses-là et de les traduire, parce que c'est pas tout le monde qui voit la même chose. L'artiste se voit autrement, c'est ce qui est intéressant. Il y a des choses ici, nous deux nous pouvons passer comme ça, on regarde quelque chose, et toi tu ne dis rien. Mais moi je dirais quelque chose. C'est ça. C'est comme cet artiste anglais, Paul Klee, il a dit, l'artiste sera visible ce qui est invisible, des choses invisibles, l'artiste voit ça. Et j'ai la charge de vous montrer, parce que vous, vous ne voyez pas. C'est ça le rôle réel. Donc je m'interpose entre l'homme et la société, comme il dit. Quand il y a des choses, des situations normales, ça va, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est anormal, c'est le contraire de normal. Normal, c'est quoi? C'est ce qui est juste. Ce qui n'est pas juste, là, à ce moment-là, l'artiste intervient pour vous montrer. Parce que vous, vous n'avez pas cette possibilité-là de voir des choses qui sont cachées. Donc c'est spirituel. Je suis croyant. Je crois en Dieu, je crois qu'il y a des choses que tout le monde ne voit pas. Harmonie, j'ai fait l'harmonie des couleurs dans un camaleu. Je peux utiliser le bleu, un seul bleu, mais je lui donne beaucoup de couleurs. Un seul bleu. Je fais ce qu'on appelle le dégradé. Le dégradé, c'est quoi? Vous avez la couleur bleue fort, foncé. J'utilise avec mon sentiment une couleur claire. C'est-à-dire, j'ajoute un peu du blanc au fur et à mesure. Au fur et à mesure, pour que ça soit de là jusqu'ici, c'est blanc. Ici jusque-là, c'est plusieurs bleus. Donc ça fait blanc à la fin. Pour montrer justement la profondeur, la perspective. Village tel, il écrit village tel, village ainsi de suite. C'est pour ça que vous le voyez peindre ça multicolore, multicolore. C'est à cause de. Почему вы не дали мне уехать? Вы погубили меня, так и знаете. Так и знаете.
Dieu. La peinture pour moi, ce n'est qu'un moyen de parler. L'écrivain, il utilise sa plume et la tête. Hein? Les dramaturges, ils utilisent les gestes et la parole pour transmettre, communiquer. Le peintre aussi, là, ces moyens-là, cette technique-là, pour exprimer sa pensée à travers ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas. Que ça? Знаете, Ольга, когда бывает детство, souvenir. Je reste ici et je prends ça. Balcon de Dimitri. Péché, monsieur Dimitri. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Je reste ici avec mon chevalet.